Depuis 2001, OVH.com exploite son propre réseau mondial en fibre optique et maîtrise ainsi l'acheminement des internautes du monde entier jusqu'aux serveurs de ses clients. OVH dispose de ses propres équipements de routage au sein de 33 points de présence dans le monde et exploite les nombreux liens en fibre optique qui les connectent entre eux. Les points de présence, les POP, sont comme des échangeurs routiers répartis sur tout le territoire de façon à ce que chaque internaute puisse emprunter les autoroutes fibrées menant jusqu'au site qu'il veut visiter. Cette infrastructure mondiale, OVH en doit la conception à son fondateur. En véritable stratège, il a dessiné un réseau unique et entièrement redondé, capable d'offrir aux internautes du monde entier le meilleur temps de latence possible vers les serveurs hébergés par OVH à Roubaix, Paris, Strasbourg et Beauharnois au Canada. Le réseau d'OVH tire également sa puissance des accords de peering et de transit IP conclus avec d'autres opérateurs. En ouvrant les portes de son réseau, OVH reçoit en retour la possibilité d'exploiter des réseaux complémentaires qui permettent un maillage encore plus fin du territoire. Pour anticiper d'éventuelles congestions et maintenir le trafic fluide, une équipe dédiée veille sur le réseau d'OVH 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Cette équipe assure également la maintenance et la régulière montée en puissance des équipements réseau. En 2012, la capacité du réseau d'OVH a été plus que doublée. Pour atteindre de telles performances, OVH teste et déploie les toutes dernières technologies. Ainsi, le réseau est par exemple aujourd'hui doté de la technologie PIC 500 développée par Infinera. Grâce à ce réseau puissant, OVH peut garantir un accès rapide aux 18 millions d'applications web qu'elle héberge et satisfaire les besoins de plus en plus grands en bande passante des entreprises qui adoptent ces offres de cloud computing.